On peut sus le tam, hein. J'ai Nico plus Kennen. Non, on va pas prendre de tam Kench. Let's see. Très peu de chance que ça joue, ça peut jouer. Est-ce qu'on a envie de jouer Jax? I don't think so. Si on a baguette ou tir, il faut considérer. Même BF. La flemme un peu de jouer Jax, hein. Un gold. Un peu radine cette vaille. Lui, il est terrifiant. Ok. Un gold. Didi, it's a first. It's a first. Diddy's. TD Knight, merci pour les 2 ans. J'aurais dû attendre la fin du round pour l'acheter. Mais je sais pas, ça me démangeait genre. Yo, Ozio Rigas, merci pour les 9 mois. Salut Ventra. Ouah, ça push 5. Sa Nami est terrifiante, mais il a pas d'item front. Oh, elle a cast. Oh, du coup, il y a un cast qui part dans le vide, let's go. Ça fait peut-être la diff sur le round. Les melee carry, quand tu tombes sur Nami, c'est FF, hein. C'est trop fort en early, cette merde. Ça, c'est trop fort en early. Ah, il est trop bien dans la game, lui. Ah, mais les carry contre Nami, c'est t'as aucune chance. Prends des bulles, c'est terminé. Mm-hmm.
It's time! Je vais faire un play qui va cringer beaucoup d'entre vous. Soyez prêts. Je vais le faire ce play. Moi j'appelle ça un bon play. J'ai fait un roll avant les Krugs. Mais pour moi c'est un bon roll. C'est même un très très bon roll. C'est Ginzu sur le G comme hier. Bah non. On peut pas. Je trouve Kaïssa, je suis trop bien. Tanzul, Tanzul. What are you doing, Tanzul? Bon, par contre, il faut que je tombe sur un vrai board. Faut que je farme des gold. Non, pas un faux board. File-moi un gold, s'il te plaît. Allez, MF. Voilà, un deuxième. Oh oui, un troisième. Un quatrième? Non, j'abuse, j'abuse. Faut doser, faut doser. Armure, ok, ça me plaît. Baguette, ça me plaît aussi. C'est toujours cet item-là. Toujours un push core qui. Ton Nashor, Blue Buff Ionique. Peu de la paix là pour l'instant. Ton Nashor. Voilà. Blue Buff Gunblade. Ah ah! Oh!
Je crois que c'est juste une game jazz pour le coup. Enfin jazz, c'est une game MF3. MF3 en 4 big shots, je pense. Le spot est propice. Ce qui est porteur de Ginzo, si on slam, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Tu peux faire point d'exclamation guide. On préfère jazz, non? Plutôt que du sustain. Mais pas trop d'accès backline. Non, y'en a pas. Ah merde. Je troll. Je pense que je veux une cloque. Putain. Je suis endormi là. Je suis en train de regarder pour le point d'exclamation guide. J'ai été déconcentré. Sans voler une cloque. On a une autre cloque. Il y en avait deux. On va faire Even Shroud. On va la faire sur Nico, elle va porter les items secondaires un peu support. J'ai très envie de push, mais en même temps ça coûte cher. Donc bah on va pas push. Mutation. Never suspect. Oh mon dieu, les golds. En vrai, vu la gambler's blade, j'aurais quand même dû push. Je pense. En fait, le truc c'est que je suis pas sûr de jouer jazz. Parce que je peux jouer jazz, mais je peux aussi jouer 4 big shots. May play the Queen of Spades. Hop là. Elle m'a fait combien de gold la gambler? 11, pas mal.
Il y a très peu de chances qu'on joue Bard. Si on le joue, c'est vite quoi. Blue buff is real, c'est incroyable. En fait, la question que je me pose, c'est... Est-ce qu'on joue jazz? Dommage de pas jouer jazz. Oh. Healing Orb, c'est cool. Vulk aussi. Martyr, c'est cool aussi. Je sais pas ce qui est mieux. Vulk. 4-36. Martyr. 33 Healing Orb, un peu de la merde. Ouais, donc mon choix se situe entre les deux là. Et je pense que vu que je joue KDA et Jazz, Bulk a plus de value. Mes unités vont juste pas mourir en fait. Je veux pas que mes unités meurent. En plus, on reste niveau 7, c'est pas comme si on allait 9. Les stats pour les games au sud, quel rank? Master plus. On pourrait mettre grand master plus, mais. Du coup, tu perds tellement de data. Il est bien ici le mordé. C'est une compo très similaire là. C'est qu'il gagne pour une seule raison là. Son TG. Son TG Horn était insane. Sans ça, il gagne jamais. Il a eu Mogul's Mail. Il a eu Mogul's Mail plus Hulk Crusher. C'est absolument ridicule. Oh putain. En fait, on veut un arc. Qu'est-ce qu'on fait de la spat? Une spat jazz? Non, je pense qu'il me faut un arc. Ça fait deux fois que j'oublie, je suis pas focus. Non, il me faut absolument un red buff là. Oh
Ouais, j'ai donné à Tanzul un Jin BF du coup, mais. Il fait pas de dégâts mais il shred l'armor le Lucian. Peut-être un peu mieux que Bard. Bah ça c'est ce qu'on appelle se faire scam en beauté. On aimerait idéalement un Echo à la place de se morder, mais morder est bien aussi. Il y a beaucoup de morts des sorties du pôle. Hein. Du coup, on va juste vouloir un blitz. Quelque chose me dit que blitz aussi, ça va être compliqué. Musique de zinzin. Ouais, son Ezreal s'est fait cœur. Le Tanzul est mort, c'est cool. Il a remis 3 MF dans le pool. Je préfère Echo ou Blitz que Mordé, mais en attendant il fait totalement le café. Mordé est surtout bien quand t'as un 3 pentakill. Ok, on a IE. Ok, IE et on peut mettre deux bulks je pense, plutôt que faire un item complet. Je pense que c'est mieux. Dépend l'item. Ouais, je pense que c'est belt ici et tir ici. Ou belt là, tir sur Kennen. Ça fait deux bulks et ça fait un, ça va faire un blink bonus sur Kennen à terme. Sinon, il y a quoi? Il y a rédemption. Je préfère deux bulks. On a beaucoup de multiplicatifs de HP. Ce match-up est pas drôle. Surtout quand il proc Spirit Visage, Eternal Winter là-dedans. Oh, c'est pas marrant. Hein. Il proc les meilleurs items du jeu sur son Echo, genre. Hein. C'est pas marrant. Ça fait deux rounds que je me prends contre un mec qui a cet item et qui proc les meilleurs. c'est tellement lucky. Ok, je voulais roll un peu deep pour le Ezreal, c'est bon. Is that to say? Is it a love or... Je pense que je vais placer mon Ezreal ici pour créer vraiment un focus fire sur les unités et les tuer plus vite. Bon, sur ce Yasuo, c'est pas nécessaire, mais. Alors, typiquement, cette Poppy, si mon Ezreal. Et ma MF le focus pas en même temps, elle tombe pas quoi. Mais si on focus, si on a un focus simultané des deux, ça se passe bien.
Je la connais par cœur ma playlist, c'est trop grave. The other way. Ciao. Plan c'est go 9 au roll. On roll. Nico 3 et truc niveau 3. Je pense Diclo. Pour le matchup Harry. Et le matchup TF. La game où je jouais Tahm Kench, top 4, mais ce top 4 avait un peu un goût de merde, je vais pas te mentir. Ah, vous voyez, quand il a des TG comme ça, ça va pas être aussi facile pour lui. Ça va pas être pareil là. Y a pas Eternal Winter Spirit Visage. Et cette fois-ci, j'ai une Diclo aussi. Ça devrait se passer un peu mieux pour moi. Un peu. Parce que mon Event Shroud est mort. Et ça, c'est pas cool. Ah, là, vous voyez, la Diclo, elle fait la diff là. Bon, c'est pas encore win. Avec MF3, vous voyez bien que c'est ultra free win là. MF3, je le pulvérise. Pas d'arnaque, pas d'arnaque. Tous les mecs qui jouaient Mordé sont morts à part lui. Ah, il y a trop de écho. Je pense que je vais tenter Mordé 3. Ouais, ça va être Mordé 3. Et il me manque Nico 3 aussi.
parole trop deep parce que je perds la value de... Il tente arrêt 3 mais il est loin. Ah niveau 10. Dommage les deux rounds que je me suis fait bullshit. Ça va être un peu mieux. Il va mettre des tirs sur toute son équipe parce que j'ai mis un composant. Là, bizarrement, je sens que c'est un match-up correct parce que j'ai beaucoup de points de vie sur mes persos, du coup trop damage, je perds en value. Yep. Et là, il y a un des deux qui va s'éliminer. Et je vais probablement perdre contre l'autre. Mais on fait un top 2. Je sais pas s'il me faut de la front, non? Non, il a trop là. Ouais, Sona 2. 6 sentinelles. Ouais, ça va être impossible. Je vais tenter la diagonale de Maxwell, mais... Ils se positionnent même pas, ils s'en vont les couilles. Encore un TG de fou quand même. Hein. Ouais, il touche shot mon mort des 3, ils s'en vont les couilles. Dès que ça sonne à cast, y'a plus de fight. En plus, il a une ascension avec sa big gem. Non, en vrai, il avait trop, il avait trop. C'est le mec qui avait slam. C'est le mec qui m'a battu en early avec sa Nami big gem. Il a trop big jam avec le setup qu'il avait, il a pu fast 10. Mais du coup on a un start similaire parce qu'on est les deux avec un item gold. J'ai pour la qualif, merci.